Eh bien, salut tout le monde et bienvenue chez John pour une nouvelle vidéo aujourd'hui sur le RC Lens en Ligue 1 Uber Eats sur FIFA 22 pour la troisième journée. Et nous allons jouer aujourd'hui face à Monaco à leur domicile. Allons-y, c'est parti! En espérant que nous allons gagner cette fois-ci. Parce que, en fait, le truc c'est que. J'ai perdu 4-3 la première journée, j'ai fait 2-2 la deuxième journée, et là c'est la troisième journée, donc on va voir ce que ça va donner. Allons-y, c'est parti! Salut, bienvenue à tous. Vous allez suivre ce match en ma compagnie. Installez-vous. Et c'est Hervé Latou qui va vous accompagner pour le meilleur et pour le pire. On va s'intéresser à la Ligue 1 Uber Eats avec cette rencontre. L'AS Monaco face au Racing Club de Lens. Belle affiche aujourd'hui. On espère que ça va nous réserver de belles surprises. Le numéro 31. Et ouais. Sur ce FIFA 22, il n'y a que Hervé Matou comme commentateur. Et voici le 11 de départ de l'AS Monaco. L'équipe disposée en 3-4-3 aujourd'hui, avec des défensifs rapides, pour ne pas trop souffrir pendant les contre-attaques adverses. Bon, on va y arriver. J'espère en tout cas. Essayez. Nous jouons en bleu. Voici les joueurs retenus par l'entraîneur du Racing Club de Lens pour démarrer. La formation retenue est un 5-3-2. On va essayer de maîtriser le ballon au milieu. J'ai pas beaucoup de. J'ai beaucoup en défense. Ah, en défense, c'est bien. Allons-y, c'est parti, commençons le premier match. Allez, c'est parti, ici le coup d'envoi de ce match donné à l'instant. Je joue. Ouais, bon, ouais. Tacle, il lui a pris le ballon. Non, pas facile. Ouais, ça c'est bien vu. Ouais, bien joué, bien jailli sur cette passe en profondeur. Ouais, oh mais non. Directement à l'adversaire. La frappe. La frappe, c'est au-dessus. Et heureusement que c'est au-dessus. Hein. Heureusement. Les Lensois à l'attaque. Ouais, j'ai parlé un petit peu trop vite. Kevin Volland. Il remporte son duel. Ouais, c'est pour le gardien.
En même temps, il y a une époque, j'avais pris le Racing Club de Lens en Ligue 2. Ils étaient en Ligue 2 dans un FIFA, je ne sais plus lequel. Là, j'ai décidé de reprendre le Racing Club de Lens en Ligue 1. Vu qu'ils sont en Ligue 1. Le ballon qui change de camp. Kevin Volland. Occasion de prendre l'avantage. Oh, quelle occasion ratée! On était à deux doigts de voir le premier but dans ce match. Quelle maladresse quand même. Tant mieux que tu l'as raté. Eh oui, bien défendu. Il a coupé la ligne de passe. F Monaco est son très chaud. Pour reprendre ce centre. Le ballon qui est sorti, ce sera donc un renvoi très au 5m50. Très chaud l'F Monaco. Passe est intercepté. Mais non. Espace. Attention, il a du champ devant lui. Ah, c'est un ballon perdu. Il frappe. Non, sans problème pour le gardien. C'est chaud, c'est très chaud. Très, mais très chaud. Le corner, le ballon qui arrive au point de pénalty. C'est un corner qui ne va rien donner. C'est une touche. Alexander Golovin. Wissam Ben Yedder. On va repiquer dans l'axe. Il prend sa chance. Oh, ça passe à côté. Il faut dire qu'il y avait un pressing. Imaginez quand je vais jouer contre le Paris Saint-Germain ou l'Olympique de Marseille ou les grandes équipes comme Lyon, Paris Saint-Germain, l'Olympique de Marseille, etc. Waouh, déjà la AS Monaco, c'est une grosse équipe. Mais on se débrouille pas mal quand même. Hein. Attention à ce ballon récupéré. Mais non. Oh, il fallait le sortir ce tacle. Là, il est con. Il est con. Je vais pas me laisser passer. Hein. Bien donné cette passe en profondeur de Ben Yedder. Ça va faire la passe. En 1-2. Allez, il peut y aller. Le gardien qui repousse, ça peut revenir. Non, mais non. Mais le but, oh, qu'elle est belle. Quelle reprise. Techniquement, c'est parfait, magnifique. Bon, rien n'est... C'est une sale tête. Ah, c'est pas très bien joué de la part du gardien, là, qui remet le ballon. Il le capte pas bien. Et derrière la sanction qui est immédiate. On peut essayer de se débrouiller. Allez, le match n'est pas terminé. C'est donc l'ouverture du score 1-0. Monaco va avoir la touche. Wissam Ben Yedder. Alexander Golovin.
Kevin, voilà. Ils sont en train de se faire. Problème ou quoi dans les paramètres du jeu là. Des organes parce que plaisir avec cette série de passes, une bonne séquence des monégasques. Oh, magnifique l'intervention, superbe réflexe dans les buts. On va voir. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. Oh, la magnifique reprise de volée qui méritait mieux mais qui passe à côté. Belle aspiration sur cette passe. Et la bonne sortie du gardien. Oh putain. Le ballon qui change de possession. Il est à l'interception. Le ballon qui est donné en profondeur. Il porte le ballon. Ouais, il repousse, ça joue. Oh, l'arrêt en deux temps, première intervention exceptionnelle, et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps. Allez, un but. Un but là. Il peut le mettre. Allez, le but. Le Racing Club de Lens qui marque. Ben voilà. Et voilà un but marqué totalement contre le cours du jeu. Un partout. Allez hop. Un but partout. Les deux équipes dos à dos. Fofana, Kevin Volland. Et c'est un corner, hein. C'est le défenseur qui a touché le ballon en dernier. Le corner, le ballon en pleine surface.
pas vraiment inquiété, alors il continue. Non, sans problème pour le gardien. Ballon rendu à l'adversaire. Issam Ben Yedder. Ah, il est à l'interception. Allez, il y a une place là pour une contre-attaque. Il y va tout seul. Attention à nouveau. Oui, bien joué le gardien qui écarte le danger. Et la passe qui trouve un joueur de l'équipe adverse. 2 minutes de temps additionnel viennent d'être annoncées. Il progresse vers le but. Ah, beaucoup d'assurance hein, dans son geste. Et l'équilibre parfait à la pause. Un partout après ses 45 premières minutes. Je trouve qu'il fait un bon match, une bonne première période en tout cas. Il a inscrit un but important qui permet à son équipe de rester dans le coup. Il n'a pas fait que ça d'ailleurs, il a été assez présent. Très très bon match. Il a fait une bonne première période, vraiment. Ça fait vraiment plaisir de revenir sur FIFA. Allez, c'est parti. Depuis cette période. Wow, Torres City Dribble. Ok, et ça n'était pas ça avant. Ok. On va reprendre le match tout de suite. Allez, c'est parti pour la seconde période. Le ballon est monégasque. Fofana. Ah, oh, il fallait tacler, bien joué. Kevin Volland. Ouais, bien joué le défenseur. Il faut trouver une option disponible. Ouais, beau tacle dans sa propre surface. Là, le joueur qui est sanctionné, le RC Lens obtient le coup franc. Ah, nous jouerons contre Alexandre qui nous attend tout à l'heure. On devrait vraiment assister à un spectacle de grande qualité entre ces deux équipes. Ouais, bonne intervention. Bonne. Il est l'heure du coup d'envoi de ce match qu'on suivra également ensemble. Grand rendez-vous. Ça rencontre. J'aurai un grand plaisir de la commenter. Le public qui réclame un pénalty sur cette action. Oh, il n'a personne pour le gêner dans le couloir. Issam Ben Yedder. Avec Ben Yedder. Il rejoue avec Ben Yedder. On est dans une phase de conservation de balle en attendant l'ouverture. Ouais, bien joué, ce tacle dans la surface. Allez, ils ont peut-être de quoi lancer une contre-attaque. Oh, le ballon qui lui colle au pied, magnifique. Allez, le but. Le Racing Club de Lens qui marque. Voilà, la contre-attaque qui a amené ce but et la frappe magnifique à la fin, puissante. Il va y avoir un changement. Monaco est mené, les joueurs de la principauté vont devoir se reprendre. Il poursuit son action personnelle. Il choisit de repiquer au centre.
Et le tacle décisif dans sa propre surface. Alors qu'on arrive aux deux tiers de cette rencontre, plus qu'une demi-heure à jouer. Et hors jeu. Allez, pas se précipiter comme ça. Ça va que cela, il est hors jeu. C'est vrai que cela, il a raison. Et l'entraîneur qui n'a pas le choix maintenant pour égaliser, il faut qu'il fasse entrer du 109. Chercher une ouverture, bien sûr. Mais non, finalement, ça ne donnera rien. Merde. Oh, c'est dangereux. Oh oui, très beau. Magnifique parade hein, du gardien. L'équipe visiteuse qui... Oh, il n'y a personne pour l'arrêter. Il y a un bon coup à jouer là. Le gardien qui ne peut que repousser, c'est pas terminé. Allez, le Racing Club de Lens qui marque. 1 pour le Racing Club de Lens. Les deux premiers matchs, les deux premières journées, j'ai un peu raté mon coup. Le but au ralenti. Mais là, intervention du gardien. Mais bon, parce qu'on n'a pas suivi derrière, mal arrêté. Il peut rien faire sur le, j'ai presque rien sur le deuxième ballon. Mais... Ah, c'était magnifique. Magnifique. Ça fait maintenant 3 buts à 1 au tableau d'affichage. Yedder qui gagne du terrain. Le gardien qui éloigne le danger, mais ça joue. Oh, l'arrêt en deux temps. L'arrêt en deux temps, première intervention exceptionnelle. Et puis le ballon qui est maîtrisé dans un deuxième temps. Il préfère revenir dans l'axe. Oh, magnifique la parade. Superbe plongeon. C'était loin d'être évident. Allez, les deux entraîneurs vont changer un petit peu. Les occasions sont rares dans le jeu. Alors le public se met à y croire sur ce type d'action et ce corner en fait partie. Un corner bien tiré au niveau du point de pénalty. La défense qui a pris le dessus sur ce corner. Qu'est-ce qu'il va faire? Avec un tir. La frappe qui est bien. On va faire un truc. Alors. Ouais, c'est comme ça. Bien parti, c'est au-dessus de la transversale. En 4-3-3 resserré, en offensive. L'entraîneur qui tente un changement tactique pour essayer d'échapper à la défaite. Yannick Cahuzac. Et Lensois à l'attaque. Chercher quelqu'un avec ce centre. La tête. Non, ce ne sera pas du tout inquiétant. On va mettre en...
Comme j'ai dit que en mode. Voilà. Offensive. Et je mettrai ça dans les paramètres aussi. On essayera. L'équipe qui dans l'ensemble a dominé son sujet. Qui se retrouve devant assez logiquement avec ses deux buts d'avance pour l'instant. Le dernier quart d'heure du temps réglementaire. Ouais, il récupère le ballon sur ce bon tacle. Wissam Ben Yedder. Ouais, il rassure toute son équipe avec ce tacle. Il fallait le récupérer à ce ballon. Ça peut être dangereux là s'il lance la contre-attaque. Ah, il faut venir défendre là. L'arbitre essaie de revenir à la faute. Franc très lointain, ça va passer à côté. Alors qu'on va procéder à un changement. Nelson Martins. Ils avaient bien fait tourner, mais finalement ils perdent le ballon. Oh, attention, ça pourrait être dangereux. Et le gardien, c'est pas fini. Ouais, très très bonne défense. Wissam Ben Yedder. Alexander Golovin. Wissam Ben Yedder. Ouais, la frappe. Ouais, c'était un bel essai. Il fallait le tenter. Quand on a deux buts de retard, il faut de toute façon essayer ce genre de choses un petit peu audacieuses. Ouais, mais sauf que là, il n'a pas réussi. Et pas du tout. Récupération et peut-être une action dangereuse. Ah, elle est bien partie cette balle, mais c'est trop haut. Ballon rendu à l'adversaire. Est-ce sur la trajectoire? Pas de souci. Ballon capté, impeccable. Kevin Volland, Gelson, un centre contré. Kevin Volland, et non, ce ballon qui trouve un défenseur. Le gardien qui gagne son duel face à l'attaquant. Ouais, directement sur un adversaire. Allez, il peut réduire l'écart là peut-être. Oh quel arrêt! Oh quel arrêt! Un plongeon exceptionnel! Allez, le corner est tiré au cœur de la surface. Allez. L'arbitre qui intervient pour signaler une position de hors-jeu. Alors il fallut attendre un tout petit peu plus pour donner ce ballon. Dommage. Ah oui, quand même. Ouais. Cherche la faille dans la défense adverse. Au centre, il y a du monde. Allez, le ballon qui est dégagé. La fin de la rencontre à l'instant. Et l'équipe visiteuse qui va donc empocher les 3 points. On va sortir de grand-chose à cette équipe. Ah, ça fait plaisir, les amis. C'est absolument logique qu'elle prenne 3 points aujourd'hui. Ça fait plaisir. Nous allons voir tout de suite le classement. On a tout de suite senti qu'il était dans un bon jour. Et il a joué un grand rôle dans cette victoire.
Il a fait un très très bon match. Il a été efficace avec ce doublé. Franchement, mission accomplie. Enfin, l'un des grands acteurs de cette victoire. Ça me fait vraiment, vraiment, mais vraiment plaisir. Voilà. Alors, le prochain match, nous jouerons contre le FC Lorient. Et nous, nous sommes combien? Nous sommes 10e. Waouh! Ouais, nous sommes 10e quand même. Paramètres. Ah bah, c'est pas dans ça. Nous sommes 10e. En 4-5-1, ça passe. Donc, on va laisser comme ça. Je vais vous sauvegarder les changements apportés à la composition. Oui. Voilà. Sauvegarder automatiquement. Oui. Personnaliser. Paramètres, personnalisés. Alors je regarde. Tout est bon. Tout est bon. Dans mes paramètres, tout est bon. Ok. Ok. Eh bien, nous, on se retrouve pour une prochaine vidéo. Quoi, en prochain live, surtout. Ah oui. Ok. Arcade Volta disponible. Ouais, ok. Non, j'étais en train de lire ce qu'il y avait sur les côtés, mais bon, pas grave. Le FIFA Volta, moi, je l'ai fait qu'une seule fois. Je ne le fais plus parce que bon, bah, il n'y a plus le. J'enlève le mode histoire avec le. Comment elle s'appelait là? Le noir là, je sais plus comment elle s'appelle. Enfin, bref. Ils enlèvent le mode histoire de FIFA. C'est complètement nul, donc voilà. Parce que moi je vais vous laisser sur cette fin de vidéo. J'espère que celle-ci vous aura plu. N'oubliez pas de laisser le petit like et le petit commentaire. Et surtout, n'hésitez pas à vous abonner si ça n'est pas déjà fait. Tout en activant la petite cloche de notification pour être informé de mes prochains lives ou de mes prochaines vidéos. Et n'hésitez pas à partager également sur vos réseaux. Ça fait toujours plaisir. Et nous, on se retrouve cet après-midi de 15h à 18h sur du Fortnite en live. Sur ce, bon appétit pour ceux qui nous vont passer à table. Je vous fais des bisous. Bye bye.